TV. Ma aussi roi de ton legbe. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Akuchacha. Simon Dedi. Akuchacha. Simon Dedi. Je m'appelle Agbo Françoise. Je viens de Betagbo. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Ce que le Seigneur a fait dans ma vie est grand. C'est le 13 août, mon mari est mort. Et nous sommes allés l'enterrer à Abomé. La seule fille que j'ai, la famille a dit qu'on doit l'adopter. Et quand on faisait la dot, les gens dansaient et j'étais animé d'une joie et j'ai donné 1000 francs. Et quand j'ai donné les 1000 francs, les gens m'ont demandé, celle-là c'est qui et c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Et les gens ont dit, c'est la mère de la fille qui recevait la dot. Quand on a fini les cérémonies et je suis revenu à Cotonou, on m'avait fléché sous les aisselles. Alors que j'ai l'habitude de suivre Port TV. C'était deux abcès sous mes aisselles. Nous avons tout fait pour que l'abcès puisse sortir le puits, mais cela ne sortait pas. Je sentais tellement la douleur que je pleurais à chaudes larmes. J'ai cherché la solution partout, je n'ai pas trouvé. À un moment, l'un des abcès a sorti le puits. 3 jours après, le second aussi a sorti son but. Quand j'ai pris 2 mètres de paille, c'était mouillé avec le pu qui sortait. Quand les pu étaient sortis, cela avait laissé un trou là. Moi, je pensais que c'était de simples abcès. Et comme les puits étaient sortis, j'allais maintenant avoir la paix. Maintenant, cela s'est intensifié. Et nous sommes allés à l'hôpital avec. Et on a commencé par me soigner. On mèchait. Il mèchait, je criais tellement. Si je pouvais enlever la vie, vous allez voir la partie. Mes enfants avaient beaucoup dépensé. Cela s'est cicatrisé. Après cela, j'ai encore reçu une flèche au niveau de mon pied. Et nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas en Europe là-bas. On en voit seulement. Et on pense on a envoyé encore une autre flèche en bas de mes fesses. Cela était gros. Cela ne faisait sortait pas le pu. Et quand mes enfants ont vu, ils ont dit, maman, on ira à l'hôpital. Et je leur ai répondu, pour cette fois-ci, je n'irai pas à l'hôpital. J'ai dit, moi-même, je vais l'expérimenter. J'ai quelqu'un qui va me guérir.
Car les gens donnent le témoignage à la télé et quand je suis cela, j'ai la chair de poule. J'ai dit, l'argent que vous allez dépenser pour que j'aille à l'hôpital, je ne veux plus prendre l'argent pour prendre des médicaments. Mais donnez-moi l'argent pour que je mange avec. Je suis venu à porte de vie. J'étais allé derrière là-bas, je me suis inscrite pour la ligne de prière. L'homme de Dieu m'a impacté à prier pour moi. Je suis retourné à la maison. Maintenant, on annonçait la réunion des partenaires. J'étais venu ce samedi à la réunion des partenaires. Je me suis inscrite pour le partenariat. On est resté ici, on a prié, on est reparti. J'ai pris l'huile des partenaires arrivés à la maison. Et j'ai dit... Cet abcès n'ira pas à l'hôpital. Je suis déjà avec le médecin qui va m'opérer. Le caution qui repose sur l'homme de Dieu. Le Dieu qui l'adore va m'opérer. Et si je prends l'huile de partenaire et que j'applique sur l'abcès, je ne veux pas que cela grossit. Je ne veux pas non plus que le pus saute, mais je veux que la partie redevienne normale. J'ai prié ici, j'ai pris l'huile de partenaire que j'ai appliqué. Je sentais la douleur ailleurs, j'ai encore passé. Prévenir vaut mieux que guérir. Et l'abcès s'était parti complètement. Oh, Jésus. L'abcès est parti totalement. Maman, Azanambi est bleu, boy, Mimi. Ça fait combien de voix cela a disparu? Quand j'ai commencé par appliquer, trois jours après cela a disparu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de tonnerre. Nous comptons où aider tes. Les deux abcès que tu avais dans tes aisselles. Ça bien bleu. Ça fait combien de temps? Tu bois bout. Avant de disparaître. Ça fait près de deux mois. Deux mois. Ah oui. Ça fait deux mois environ avant de disparaître. Deux mois. Ils sont allés à l'hôpital. Ils ont traité. Elle a pris des comprimés, des antibiotiques. Et nous antibiotiques. Mais en vain. Elle a passé deux mois environ. Et c'est ouvert, nous sommes morts. Avant de se retrouver. Cette fois-ci, quand ça a repris. Elle a passé seulement l'huile des partenaires. L'huile des partenaires, après la touche de l'homme de Dieu. 1, 2, 3 jours. Le fond dit et Mimi. Et l'abcès a disparu. Et quand les autres étaient partis, ils ont vu que je les ai vécus. Ils étaient venus en renfort. Même maintenant, ils n'ont pas eu gain de cause. Maman, qu'avez-vous à dire à ceux qui nous suivent actuellement sur Porte TV? J'ai eu à parler plus que ça. Les enfants, mes enfants disaient, ce sont les gens qui trompent les gens, qui arnaquent les gens. Quand je voulais venir, ils m'ont dit, garde cet argent là pour manger avec Jérinon. C'est quand tu venais à la réunion des partenaires, ils ont dit ça. Oui. Nous on a mis ouais, ben nous mis damlo, ben bon ma damlo.
S'il y a une situation qui est dans votre vie et que cette nuit vous n'arrivez pas à dormir, je vous demanderai de venir ici demain car Dieu est réellement ici. Et le Dieu qui m'a sauvé est ici. J'ai dit à mes enfants, si je vais là-bas et que je reçois ma guérison, je ne manquerai plus de venir ici. Pardon? Ce n'est pas des mensonges. C'est une chose réelle qui est ici. Je suis venu l'expérimenter. Et je suis très contente. Pourquoi la connaissance? Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Je m'appelle Assou Christine, je viens de Tori. J'adore le Seigneur sur la branche de Port de Victory. Il y a beaucoup d'années, je me suis mariée. Je n'arrivais pas à faire d'enfants. Je tombais enceinte, mais je faisais des fausses couches où je mettais des morts-nés au monde. Combien de morts-nés tu as fait? Les grossesses qui étaient gâtées, les fausses coups que j'ai fait, j'en ai fait 5. Et c'est un morné que j'ai fait. Pendant combien d'années tu étais marié et tu étais dans le besoin du fruit des entrailles? On a fait 10 ans. Elle a fait 10 ans dans le foyer. 5 fausses couches. Un monnaie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après cela, on a entendu parler de l'église évangélique Port de Vie. Nous sommes venus. Et quand on a connu Port de Vie, Dieu m'a donné un premier né qui est ce garçon. Je l'ai accouché. Premier geste à Port de Vie. Nous contendons à Tino Port de Vie. Regarde-le bien. Mikwen Gandhi. Le voilà. Et voilà le premier geste à Port de Vie. Nous contendons à Tino Port de Vie. Au travers son serviteur. Bon, mais c'est un Martonji. Le papa des bébés. Dernier papa bébé. Le joug de stérilité. Dernier aglopo mandito. Qu'elle traîne pendant 10 ans. Mandito, moi, et rien nous pouvons. A été brisé. Et un gros garçon est sorti. Bon, sous nous gagnons dans nos cotons si bien. Acclame pour ça. Copain, nous m'avons. Et tiens, ni bouillage. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Si papa, l'anniversaire est au bol et quoi tu vas y mettre? Quand l'homme de Dieu faisait son anniversaire l'année passée. Anniversaire est au bol, mais va y aller et moi et d'abou quoi y'a sauf balia, goya mande quoi y'a. On était venu pour l'anniversaire et l'homme de Dieu disait qu'il n'avait pas seulement célébré ici et parti, mais qu'il allait faire un don à tout le monde avant de partir. Et il a partagé des bonbons aux femmes qui étaient dans le besoin du fruit des entrailles. Moi, je me suis dit, comme mon enfant a un an et demi, je vais prendre le bonbon et déposer ça en attendant. Et quand j'ai pris le bonbon, c'était déjà mon enfant que j'ai reçu. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Elle a pris le toffi. Et il bonbon. Cette toffi, on appelle ça Anadia. Elle a pris le bonbon. Et il bonbon. Et le bonbon s'est transformé en bébé dans son bonbon ventre. Regardez le bonbon en mouvement. Regardez ça. Bonbon, on est à l'homme. C'est ce que l'onction produit. Mais
Voilà que tu as pris bonbon, tu as mangé et puis vous êtes allé sur le terrain et tu as reçu un but. Je n'ai plus eu mes menstrues et voici j'ai encore accouché un bébé et je suis venu célèbre, 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 célèbre. Maman Assou Christine. Maman Assou Christine. Mawuano Ede. Dieu l'a fait une première fois. Il t'a donné un garçon et après il t'a donné une fille. Il y a des gens ici qui n'ont pas encore fait un. Je sais que certainement tu as quelque chose à leur dire. Je veux dire à ceux qui sont dans le besoin du fruit des entrailles que s'ils sont dans ce besoin et ils se sont promenés jusqu'à venir ici à Porte de Vie, qu'ils aient l'assurance que Dieu est ici réellement. Le Dieu qui me l'a donné aussi va leur donner jusqu'à leur donner des jumeaux. Acclame très fort Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu, j'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Je me nomme Olokwefa, je viens de Godomi. Tu as encore opéré quelque chose dans ma vie, j'aimerais lui rendre grâce. Eblo 2 mois, Dimbo, infection vaginale de Benmi. Il y a de cela 2 mois et puis j'avais contracté une infection vaginale. Souvent nous infections car ben j'ai senti dis-moi t'in kende de bon nous comprimer weyo et non jomido. Souvent quand je constate que l'infection vient, je prends 2 produits là et puis ça se calme. Donc alors ton de ben mion nous comprimer 10 les bio et d'autres. Pour cette fois-ci qui a commencé, j'ai pris 10 comprimés de ce médicament mais ça n'a pas arrêté. Donc, et pas tiens mes tédi dans, de nous attirer qu'un de nous est à bord. Versi si on supporte mais. Ça m'a étonné. C'est même pas comme si j'ai pris un médicament et j'étais vraiment dans la souffrance. Nous gens dado, nous c'est ouvert. Nous calé dado, puis on nous laisse ouvert. Pour uriner, je sens des douleurs et après que j'urine, je sens encore des douleurs. Donc, et au moment où mes 2 mois, les bon mois, mais ça dimanche passé. Depuis 2 mois, je traînais avec ce mal et le dimanche passé, j'étais venu à l'église. Et j'étais ici, l'homme de Dieu prophétisait en disant, il y a une dame dans la chapelle qui souffrait d'infection vaginale. Avant d'arriver ce même dimanche à l'église, elle a eu des pètes blanches. Effectivement, dimanche passé, des gens les ont dans leur globe dans l'eau toilette, pêche pètes blanches et conscient ou tout est pas. Effectivement, le dimanche passé, le matin, en voulant faire ma toilette intime, j'avais vu des pètes blanches dans mon vagin. Bon, quand vous m'ouvrez nous quoi. Et j'ai couru, je suis venu devant. Papa blo une touche nommée. Et papa m'a impacté avec une seule touche. Donne des fibres pètes bleues. Il y a une femme ici qui a une infection qui lui donne des pets. Quand elle a fait la toilette intime ce matin, elle a senti que quelque chose est sorti de son intimité. Tu te vois? Bien. C'est un esprit qui a mis quelque chose dans son ventre qui lui fait ça. Après, on va diagnostiquer le cancer de l'utérus. Celle dont je parle ce matin, elle appelle la toilette intime, elle a constaté. Guéri. Allez, ramenez-moi le témoignage. Je suis rentré. Alors, blâme. J'ai envie d'uriner. Bon, bien souci, mais. Et je commençais pas à avoir des soucis. Bon, on ouvert des noms, c'est là, y'en a les CWA. J'attendais à avoir les mêmes douleurs que j'avais. J'ai dado, facilement dado. Mais pour uriner, c'est pas si j'ai uriné facilement. Acclame plus fort. Pas Ganji. Depuis 2 mois. C'est son wedding. Elle a dit qu'elle a des comprimés spécialistes qui guérissent cette infection. Elle doit être à Tikédenouas, donc, mais cette fois-ci,
Elle a pris les 10 comprimés. Mais l'infection a refusé de partir. Mais pas la prophétie. L'homme de Dieu. Celui-là à qui Dieu a ouvert les yeux. A détecté cette infection. La soeur a dit une touche seulement. Et cette infection a disparu. Acclame très fort Jésus. Beaucoup souffrent d'infections vaginales. Ils ont traité fatigués. Lance-le un message. Mon message envers ceux qui sont dans la même situation. Nous s'ils sont dans la chapelle, nous doit dire que ma aussi mais et nous et wa mon occasion mon coton bon alors le pot jamais ou. S'il trouve une occasion pour avoir une seule touche de l'homme de Dieu, et il donne dit do ami comme moi son hengbo. Qu'il ait la foi qui sont guéris. Alors donc mais où gege wa imo. C'est pas beaucoup de touches le problème. Nous et car au point on l'a bébolo télé le coton suivre actuellement. Mais si vous êtes dans vos maisons vous nous regardez actuellement. Et tout dans ma ou do podo prophète François Xavier a l'opé dit. Sachez qu'il y a un Dieu qui a oint le prophète des nations François Xavier a l'opé. Qui guérit toutes sortes de maladies. De courir pour pas de vie. Acclame très fort Jésus. Acclamons Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.